vedette olympique, juste presque 11 mètres ou juste au-dessus, je ne me rappelle pas. Il faut regarder le fiche technique. Je vous montre le bateau avec ici un dinette à gauche qu'on peut plier la table et on a une lit double. Le pic avant, voilà, c'est aussi un lit double. Et c'est assez intéressant la configuration ici. Hein, on peut s'asseoir facile à 6 personnes. So, on a de la coussage pour 6 personnes. Toutes les fenêtres dans un alu. Cuisine simple, mais il y a tout que il vous faut. Évier, rangement et en face. Cuisinière 4 feux et rangement frigo, rangement et lumineux. Hein, le bateau est sec, là il fait froid. Il y a un petit peu de travail de peinture à faire, mais ça va. Là, est très lumineux. Hauteur ici, allez, 1,83 m. Là en bas, c'est plus haut. Plus haut. Ici, c'est juste 1,80 m. Propos d'étrave, le tout dans Perkins, oui, un bon moteur. Propos d'étrave, et je vais vous montrer. Là, on peut créer un code de rangement. Même chose ici, c'est déjà là. On descend pour voir là. Cabine à l'arrière, là on a un lit double avec à droite rangement. Fenêtre lumineuse. Et ici, WC marine, électrique peut-être. Oui. Oui, avec évier, le bateau maintenant elle est hiberné, c'est-à-dire tout le système est rempli de anti-gel, comme dans la voiture. Parce que ici, ça peut geler, hein, ça peut être froid. So, on peut faire une douche, mais pas ici dans la cabine arrière. Là, on a 1,70 m, mais... Alors il faut ranger un peu ici, on peut faire ça ici, il faut créer une douche, oui c'est ça, c'est ou le côté droit ou le côté gauche, et aménager la cuisine un peu, oui. Il y a le chauffage à bord, propos d'étrave, sondeur, oui, un tuyau correct, hein.